Bonjour Robert Decker. Bonjour, merci pour cette invitation. Et merci à Merci à vous vous. et merci pour nous avoir donné un plaisir de lecture qui est ce livre, même si parfois il fait froid dans le dos. Vous êtes philosophe et vous explorez de nouveaux domaines à chaque fois. On vous avait reçu pour parler foot dernièrement. Et là, on va parler donc réseaux sociaux. Est-ce que cet épisode sur TikTok, donc qui a visé la génération et la classe d'âge née en 2010, avec beaucoup de violence, vous a étonné? Non, pas étonné, c'est significatif de ce qui se passe en ce moment, dire des réseaux sociaux comme générateurs d'un type nouveau de violence et qui nous ramène un peu à ce qu'était pour Hobbes, le philosophe anglais du XVIIe siècle, si important, l'état de nature, la guerre de tous contre tous, ou de chacun contre chacun. C'est-à-dire que c'est une sorte d'annulation ou de mise en parenthèse de ce que doit être l'éducation, la culture, la civilisation qui nous arrache à cette violence de chacun contre chacun. Donc c'est une violence qui est choquante, mais pas non plus étonnante. Les réseaux sociaux libèrent l'énergie que l'État retenait. Cette énergie, c'est la violence, écrivez-vous. Voilà, l'État, c'est le monopole de la violence. C'est très important, il y a une violence structurelle chez l'être humain. Et la création de l'État, qui devient au XVIIe siècle le Léviathan, est faite pour empêcher la violence de se diffuser dans la société à un niveau horizontal. Bon. Et cet empêchement de l'horizontalité de la violence, c'est ce qu'on appelle la culture, la civilisation. Avec les réseaux sociaux, comme dans l'exemple dont nous venons de parler, nous avons le retour de cette horizontalité de la violence. Alors on remarquera que ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, c'est dans toute la société qu'une violence horizontale. On a tous les jours des affaires de jeunes hommes qui reçoivent un coup de poignard, de policiers qui tombent dans des guet-apens, de rixes un peu partout. Donc il y a comme ça une dissémination horizontale de la violence qui a quelque chose à voir avec ce nouveau monde dans lequel nous entrons par ces réseaux sociaux. Je vois ce témoignage d'une internaute, Nicole, qui dit: « Je crains pour mon petit-fils né en 2010 qui vient d'entrer en sixième. Ça devrait être au contraire un plaisir de quitter le primaire. » Gaspard Koenig, grand philosophe libéral, pourtant, propose d'interdire l'usage des réseaux sociaux aux mineurs, comme on interdit l'alcool aux mineurs. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Je ne sais pas si c'est possible, purement et simplement. Il faudrait pour cela qu'il y ait un consensus de la plupart des parents. Enfin, il faudrait qu'il y ait une sorte d'homogénéité dans la société pour qu'une pareille interdiction soit Mais possible. je pose la question plus loin, Mais parce elle est souhaitable. qu'on rejoint le cœur de votre livre. J'entends bien que de votre point de vue, elle est souhaitable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, et c'est le cœur de la réflexion que vous avez, un État peut avoir les moyens d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs? La Chine les restreint beaucoup, l'Iran les interdit à peu près complètement. Alors il faut voir que ce ne sont pas des types d'États souhaitables non Donc plus. les réseaux sociaux, c'est la liberté? Non, mais c'est un autre type de. C'est même. C'est un autre type d'oppression que l'oppression des États totalitaires. Mais c'en est une quand même. Alors, c'est. Oppression, peut-être pas le terme qui il peut choquer, mais ça l'est par la manière dont ça appauvrit l'existence humaine, par la manière dont cela réduit l'intériorité humaine à presque rien. Et ça, c'est tout le cœur de la réflexion, notamment au début de votre livre. Vous démarrez d'ailleurs votre réflexion sur le bannissement par Twitter et Facebook et d'autres d'ailleurs plateformes de Donald Trump. C'est le symbole d'un putsch, d'un coup d'État, selon vous? Alors que les talibans ont toujours leur compte Twitter, Donald Trump est banni à vie. Bon. C'est le symbole d'un désir des GAFA ou des GAFAM. Les réseaux sociaux sont comme ça leur figure de proue à ces GAFAM, de substituer leur pouvoir au pouvoir étatique.
D'où... Donc il y a un désir, il y a une hubris, enfin il y a un désir prométhéen de la part des plateformes de, selon vous, d'occuper le... De dépasser, je crois, l'État, de dépasser la forme État. Il faut savoir qu'aux origines de la cybernétique, Norbert Wiener, par exemple, c'était des personnes traumatisées par ce qui s'est passé au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui reportait la culpabilité sur la forme État et sur l'homme, et qui pensait qu'il fallait dépasser à la fois l'État et à la fois l'homme. Donc c'était une utopie politique. Cette utopie politique, on la retrouve chez Google, on la retrouve dans les GAFAM, mais contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas du tout une utopie politique libératrice. Les utopies nous ont souvent trompés dans les deux siècles précédents. Elles ont souvent donné des résultats épouvantables, contraires à ce qu'on pouvait attendre, songeons au Khmer Rouge, enfin à tout ce que l'on veut. Et avec l'utopie politique anthropologique GAFAM, nous avons le résultat contraire à l'aspect libertaire que l'on imaginait encore pour Internet et les réseaux sociaux. Vous vous souvenez, il y a 20 ans, on disait, voilà, c'est la libération, c'est la libération de l'individu, c'est la libération de la parole, mais ce n'est pas ça du tout. Et en même temps, c'est une fausse morale, une sorte de moraline qui, là, au contraire, rétrécit le champ d'action de chacun dans les sociétés. En quoi, Robert Redeker, ces réseaux sociaux, en quoi Google, en quoi Twitter, en quoi Facebook peuvent être totalitaires ? Parce qu'ils tissent, pour deux raisons. Ils tissent une sorte de toile, c'est pas toile, c'est le mot qui est employé. À laquelle, le terme web veut dire toile. À laquelle personne ne peut échapper. Donc ils englobent le monde, la réalité à l'intérieur de cette toile, d'une part, mais d'autre part, ils transforment l'être humain. Ils font naître un type nouveau d'être humain. Oui, les techniques ne sont jamais neutres. C'est-à-dire les techniques ne sont jamais un outil qui prolonge le bras ou le cerveau humain. Il y a un effet de retour, l'outil transforme l'être humain. Mais quel type d'être humain génère-t-elle ? Nous allons vers un... Alors on a parlé du transhumanisme, vous savez. Donc nous allons vers un type d'être humain, alors que j'appelle... la digitalisation de l'homme, c'est-à-dire un être humain transparent, d'une transparence totale, dont l'intériorité aura disparu, qui ne pourra plus avoir de vie, trois vies, plus de vie secrète, plus de jardin secret, donc qui sera comme ça pure surface, traversée par l'information sociale, l'information des réseaux sociaux qui rebondira. Bref, c'est l'être humain sans âme. Vous dites d'ailleurs qu'il y a un autre coup d'État, c'est justement la prise de contrôle, ou plus exactement l'abandon de la vie privée aux réseaux sociaux et aux outils numériques, comme par exemple Alexa. Oui, cela c'est très dangereux. Bon, je vais peut-être passer pour un vieux réactionnaire, mais je défends l'homme bourgeois et la clôture bourgeoise de l'existence. Voilà. La bourgeoisie a inventé quelque chose de très précieux. Elle l'a inventé contre l'aristocratie, où tout était public. C'est-à-dire, on faisait même ses besoins en public, tout le monde était là. C'est-à-dire, elle a inventé la vie privée, c'est-à-dire la clôture de l'existence dans laquelle personne... ne peut, personne ne doit pénétrer. Donc, avec le domicile privé qui était la prolongation physique de l'intériorité de chacun. C'est ça l'homme bourgeois. L'homme bourgeois, c'est quelqu'un qui a une vie intérieure et dont le domicile est le prolongement de cela. Alors, avec Alexa, avec la domotique, le domicile n'est plus le prolongement de votre vie intérieure. Le domicile est annexé par la technologie. Si bien que chez vous, ce n'est plus chez vous. Chez vous, c'est chez Apple, chez Google ou chez les autres. Oui, mais Robert Redeker, j'entends bien ce que vous dites, mais
Ça, on consent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a la RGPD qui nous demande à chaque fois si on peut, si on accepte de donner accès. On peut même doser en disant quels sont les types de données personnelles auxquelles on donne vous accès le ou pas. faites, vous allez dans les dosages, moi jamais, c'est trop fastidieux, je vais accepter. Bon, on nous dit. Vous avez le choix, mais non, nous n'avons pas le choix. Il faut accepter, et je crois que c'est quelque chose à quoi, par ailleurs, on ne peut échapper. Pourquoi ? C'est une évolution, une transformation technologique qui... les évolutions technologiques sont des choses que l'on ne freine jamais, que l'on ne peut pas freiner. Donc nous avons à réfléchir sur elles. Je ne sais pas si nous pouvons en résister. Je crois que nous devons essayer de vivre avec ces choses-là. Donc c'est inéluctable. C'est inéluctable, oui. C'est inéluctable. Et il n'est pas possible, selon vous, de contrer, par exemple, avec le retour d'une vie intérieure, spirituelle, intellectuelle, ou bien, comme le font peut-être certains dirigeants des GAFA, de dépluguer ce qu'ils appellent le déplugage, c'est-à-dire qu'ils interdisent à leurs enfants d'avoir un ordinateur, une tablette. Ils ont bien raison d'interdire ces choses, parce qu'ils en connaissent les dangers, puisqu'ils en sont les promoteurs, les industriels et les commerçants. Mais la résistance peut être... Je crois, de toute façon, avec Bernanos, que le monde moderne est une conspiration générale contre l'intériorité et contre la vie intérieure. Et que les réseaux sociaux poussent jusqu'à leurs limites, c'est-à-dire sont le point d'arrivée de cette conspiration. Donc l'on peut résister personnellement, mais je vois très très mal toute une société résister à ces choses-là. Vous pouvez aller devenir moine, trappiste ou cistercien, c'est très bien, c'est formidable, mais c'est vous. Et donc c'est isolé. Je reviens à ce que vous disiez justement sur le coup d'État, et donc la thèse de cette guerre des Léviathans, cette volonté des GAFA de prendre la place des États. Arnaud Montebourg, lui, dit à l'inverse qu'aujourd'hui, les GAFA sont au service d'une puissance étatique, l'influence américaine, et on dit la même chose d'ailleurs de leurs pendants chinois qui sont au service de la Chine. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, au bout du compte, l'État reprend toujours ses droits? Alors, j'aime bien Arnaud Montebourg, mais c'est la vieille thèse, une thèse plus crypto-marxiste, qui a circulé en France de l'impérialisme américain, du diable étatique américain. C'est un peu cela. L'État, l'on voit bien... L'impérialisme américain, il a existé. On peut dire qu'il a existé, sans être marxiste. Il a existé, vous pouvez le dire, sans être marxiste. Mais dans la bouche de quelqu'un comme Arnaud Montebourg, c'est... quelque chose d'assez... D'assez marqué par le crypto-marxisme, selon vous. D'assez marqué par cela. Je crois que les États, et je suis le premier à le regretter, sont en fin de course dans l'histoire. La Chine, l'Iran essaient de résister, mais combien de temps pourront-ils résister à l'explosion dont ils sont menacés. Parce que nous sommes dans une période, me semble-t-il, de transition historique entre des formes historiques de souveraineté et une nouvelle forme historique de souveraineté que les GAFAM et les réseaux sociaux représentent. Deux questions courtes pour finir. Vous dénoncez la vocation, je vous cite, ad nauseam du thème de la nature. Et vous en prenez à une figure, c'est Greta Thunberg. Oui. Pourquoi ? Elle représente... tous les dangers qui menacent notre société. D'abord, elle représente l'infantilisation, c'est-à-dire le refus de la raison, du raisonnement, et le pouvoir confié à la fois au puéril et à l'irrationnel. Je rappelle que Greta Thunberg n'est quand même pas Jeanne d'Arc. Vous dénoncez tout à l'heure la fin de la vie intérieure, la vie réduite à son expression matérielle. Quel est votre point de vue d'ailleurs sur quelque chose de plus large, c'est-à-dire la gestion par l'État ? Et les États, aujourd'hui, de la crise du Covid. Il s'agit de quelque chose par quoi les États ont essayé de sauver leur légitimité auprès des populations. C'est la bouée de sauvetage que les États ont trouvée. Alors, un propos qu'on a prêté d'ailleurs à Olivier Véran en disant, qui aurait dit, on ne peut pas lutter de façon contre un virus, mais il faut montrer qu'on est à l'action. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que je pense. Le populisme est un danger, selon vous ?
Quand on vous lit, on se pose la question quand même. Je ne sais pas ce qu'on appelle le populisme. Qu'est-ce que vous voulez dire par populisme? Je ne sais pas, des théories comme celle de Donald Trump, Viktor Orban, Matteo Salvini, peut-être Éric Zemmour. Ce sont des choses. Ou Jean-Luc Mélenchon. Des systèmes qui existent, avec lesquels il faut discuter, qui représentent ou qui reflètent quand même des envies et qui reflètent sans doute aussi des rancœurs. Probablement justifié d'une partie de la population. Je vous pose cette question précisément parce qu'il y a un chapitre sur l'opinion publique. Oui. Et vous dites qu'on a souvent présenté les réseaux comme une alternative aux médias, un accès à des voix qui sont bannies des principaux médias, et c'est la thèse des populistes. Mais pour vous, c'est une illusion. D'abord, on peut reprocher aux médias, à certains médias, en particulier à des chaînes d'info, de jouer au ping-pong avec les réseaux sociaux, avec Twitter, etc. Ils se reprennent les uns les autres. Oui, donc la thèse selon laquelle les médias, c'est plus sérieux que les réseaux sociaux, pour vous, elle est un peu hypocrite. Je crois que les médias sont dévorés par les réseaux sociaux et désormais sont à la remorque des réseaux sociaux. Merci Robert Redeker. C'est moi qui vous remercie. Réseaux sociaux, la guerre des Léviathans. C'est aux éditions du Rocher. Non, vous inquiétez pas, c'est mon marque-page qui est tombé. Mais vous voyez, ça veut dire que je l'ai lu et c'est absolument à lire. C'est passionnant, c'est plus que passionnant. C'est stimulant, les chapitres sont courts, rythmés et ça ne gâche rien. C'est très très bien écrit et donc on vous le recommande. C'est parfois dérangeant, mais c'est très stimulant. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, avec le politologue Mathieu Souquière, qui justement est l'auteur avec Damien Fleureau d'une étude très intéressante sur le populisme. Et puis on aura également ici l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Il a délaissé les estrades, les tribunes pour monter sur les planches. À demain.